Nicolas Duvauchel s'est prêté au jeu de questions des étudiants en école de journalisme à Montpellier. Devant les caméras, il a parlé de son personnage, une sorte de grand frère de Ben, interprété par le rappeur Nekfeu. Un personnage très borderline entre violence et grande sensibilité. Il y avait beaucoup de scènes où on passait de l'un à l'autre, donc c'était un gros challenge pour moi et c'est ce qui m'a excité. Puis de retrouver Catherine avec qui j'avais déjà tourné, de découvrir Diane avec qui on s'était déjà rencontré, mais on voulait tourner ensemble, là c'était l'occasion. Et puis surtout de pouvoir accompagner Nekfeu, qui est un jeune acteur qui est super d'ailleurs dans le film, qui est vraiment très très bien. Quoi. Et voilà, sans tic de jeu, sans très naturel, il est vraiment super dans le film, donc de pouvoir accompagner tout ça. Puis de retrouver Thierry, qui est un ami et avec qui j'ai déjà tourné, c'était. Voilà, ça me donnait très envie et malgré le fait que, je te dis, faut pas tout révéler, mais malgré le fait que je pars assez vite, voilà, c'était quand même j'avais très envie de faire ce projet. On a baisé, ça y est, t'en fric, j'ai mon matos. Bah ouais, on regarde mes yeux, tu vois de l'amour là? Regarde-moi, je te dis, tu vois de l'amour là? Je ne veux plus que vous voyez ma fille. C'est elle de décider, non? Elle a pas 15 ans. Julia elle-même, tu peux rien, c'est comme ça. Elle est accro. C'est important pour toi qu'elle ne me voit plus? Oui, très. 30 000 euros, je disparais. Très content, et puis comme je te dis encore, de voir Nekfeu aussi bien, quoi. Vraiment, j'ai vraiment été étonné. Enfin, pas étonné parce que j'ai déjà vu ça, mais ça m'a vraiment bluffé, quoi. J'étais vraiment très content. Et puis, c'est bien. Moi, dans un film, je veux que tout le monde soit bien. Donc, si on peut l'accompagner pour qu'il soit au mieux, c'est. Voilà. Et j'ai juste essayé de le. Voilà, parce qu'il était un peu stressé et tout, bon, ce qui est normal. Hein. Même moi, la veille du premier jour de tournage, je suis toujours. Le trac et tout, et puis c'est ce qui nous donne de l'énergie, c'est ce qui fait que quand on arrive à le surmonter, c'est ce qui fait qu'on est bien et tout. Et moi, si j'ai plus le trac un jour, j'arrêterai. Mais donc j'ai juste essayé de le déstresser un peu, de le rassurer. Mais bon, sans non plus être sur lui, je suis pas Pascal le grand frère. Mais bon, oui, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà. Comment ça se passe depuis le début, au niveau des promos, c'est normal en même temps, quelqu'un qui est si connu en tant que musicien et qui enfin ou rappeur et qui après passe au cinéma, bien sûr il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de gens, c'est la curiosité des gens, même quand on fait des projos et qu'on fait des débats après, quoi, il y a beaucoup de questions pour Ken et tout, mais bon, ça fait partie du jeu, puis c'est complètement normal, donc pas de soucis. Bah de rien.